Luke chapitre 15, le verset 11. Luc chapitre 15, verset 11, il dit encore un homme, avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Le père le partagea son bien, et deux jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il put tout dépenser, une grande famine se vint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges de manger des pourceaux, mais personne ne les en donnait. Tant entré dans lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et l'homme revêtait, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils le voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Oh, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs. Il lui demanda ce que c'était. Serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulait pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il demanda à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il se fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, au travers de cette parabole que nous vivons pour les choses cet après-midi, nous sommes pour le déroulement qui s'est passé dans une famille quelconque. Un papa, c'est un deux garçons. Et sa papa là, tu n'as tout. Tu as la richesse, possession, serviteur, du pain en abondance, des vêtements, jolis vêtements, des bijoux, des bons souliers. Quand nous pensons à les soeurs, nous vous disons, mais tu as voulu être dans sa case là. Tu as content d'être dans la case là, tu as content d'être chez nous, tu as content d'être chez nous dans la case là, parce que dans la case là, il y a de l'abondance. Dis bien, vous pensez à cela, dis bien, vous faire un rêve,
bénédiction. Un seul Dieu comme ça, si c'était moi, si mon Dieu, j'ai l'absence d'une chose là, si mon Dieu, ce jeune homme, si mon Dieu, comme ce papa, si mon Dieu, comment ça, dans son pays là, et bien tu peux faire ceci, bien tu peux faire cela, bien tu peux dormir bien. Et souvent, frère et soeur, la personne nous réveille, c'est la bénédiction. Et souvent, on le trouve, malheureusement, les autres plus bons. On trouve les autres plus merveilleux, les autres plus adorables, les autres plus avantageux, les autres plus bénéfices que chez nous. Trop souvent, frères et sœurs, malheureusement encore, nous pas conscience qui passe chez nous. Nous pas conscience qui le tait. Nous pas conscience qui nous possédait ou bien ce qui nous possédait. Ne pas conscient ce qu'il nous faut mériter. Ne pas conscient pas de privilège qui lui vient, pas de bénéfice, pas de l'avantage qui lui vient. Nous contentons souvent, frères et sœurs, pour rendre regard chez les autres. Nous regardons chez les autres plus que nous. Ce fut le cas, frères et sœurs, de ces deux garçons dans cette famille. L'un le plus jeune, tu crois tout. Tu crois la bonne vision, et tu crois la bonne rêve, et tu crois la bonne pensée imaginaire, et tu crois la bonne attirance, et tu crois la bonne séduction, et tu crois la bonne influence qui t'est là en dehors de la maison de son père. Et tu attends tant ça pour arriver. Et tu attends tant il faut gagner sa droit. D'être majeur. Quand il pouvait 18 ans, bien quand il pouvait 21 ans, pour être libre. Beaucoup de jeunes se croient faussement dans la petite chose qui le fait parfaitement sourire. Il y a des comme on est majeur, comme on est 18 ans, comme on est 21 ans, et quand il est 18 ans, quand on est 21 ans, comme il est majeur, il peut aussi le dire en responsabilité. Lui aussi me dire comment je prends ma responsabilité. Lui aussi me dire assume ma responsabilité. Lui aussi me dire pour capable de se tenir sur son propre pied. Quand quelqu'un y arrive, frère et soeur, peut grandir. Il besoin de regarder à la réalité en face. Il besoin de prendre une bonne décision. Souvent, quand je dis, comme on gagne 18 ans, comme on gagne 20 ans, comme on gagne 21 ans, comme on vit majeur. Et puis plus tard, quand on arrive 30 ans, le Dieu comme ça, si vous arrivez pour 13 ans, pour 14 ans, si vous êtes capable de tout l'école, si seulement tu recommences pour jeunesse, c'est pour bon. Non. Il n'y a pas temps pour toutes choses. Et puis il y a le moment qui nous enfants, il y a le moment qui nous adolescents, il y a le moment qui nous jeunes, il y a le moment qui nous pas travaille dans l'école, il y a un moment dans l'école où nous travaillons, il y a un moment, voilà, nous restons seuls, il y a un moment nous marier, il y a un moment nous prendre des autres responsabilités. Il y a tout dans la vie. Il y a tout et nous besoin capables, voilà, attendre les temps pour qu'ils nous pas franchir à des autres étapes. Pour les temps aussi, nous sommes à notre étape sans qu'il nous passe par une autre étape. Nous ne pouvons pas faire l'étape numéro 1, numéro 2, après numéro 5, numéro 6, après numéro 4, non. Nous devons passer l'étape 1, 2, 3, 4, une étape à la normale. Et ça, frères et sœurs, c'est ça la vie. Alors, nous retournons au texte le plus jeune, dans ceux qui attendent longtemps. Quand vous pouvez imaginer, quand on est capable de prendre une décision qui personne n'est pas capable après moi. Quand il peut avoir de la raison, quand il est capable, voilà, personne n'est pas capable de l'eau, il y en a qui peut choisir le chemin du dehors. Il peut être libre, il est capable d'aider lui, il est capable de divertir, il est capable de réjouir en dehors. Et ce jeune homme, il se croit en lui-même. Il se croit
aussi bien dans son logement, et tu vois dans son héritage, et tu vois dans son richesse, dans son possession. Il connaît. Ça l'héritage à pour une police. Il connaît un jour. L'héritage, son parent, il connaît pour lui automatiquement. Et il vit bien sa héritage là. Il vit bien sa richesse là. Il dit, tu crois qu'il y a en dehors, c'est des meilleurs qui en dorment. Il dit, tu crois qu'il y a en dehors, plus beau qu'il a sur la case. Il dit, tu crois qu'il y a en dehors, dans les autres divines. Un plus bon qui s'appelait papa, qui les tient là. Il fait faire tout pour nos enfants. Alors, ce jeune homme, il n'est pas venu bénéficier de ce qui tient là dans la maison. Ce jeune homme n'est pas venu bénéficier de ce qui tient là comme abondance dans cette maison. Et des fois, frères et sœurs, tant qu'il venait nous pas réaliser la valeur, hein, qu'est-ce qu'il nous possédait? C'est quand nous n'appelons, c'est quand nous restons dans le manquement, c'est quand nous pisons une chose et qu'il nous bénit, qu'il nous réalise la valeur de ces choses. Et c'est ça qui, ce jeune homme, Pinéna, il s'est habillé dans la maison de son papa. Mais il n'est pas du tout profiter, il n'est pas du tout jouir, il n'est pas du tout garder ce qu'il tient là gratuitement. Mais, nourriture, souliers, panneaux, dans une époque où nous gagnons pour autant d'internet dans la case, télévision, sofa, repas, hein, nous l'insulter la main, nous le livre vient ranger, tailler, sacré col, les sons payés, etc. C'est quand, frères et sœurs, plutôt quand il y a ce manquement, qui nous réalise là. Mais il n'y a pas marié trop tard. Il y a des fois, il faut dire que tout le monde passe par un moment difficile, un moment pire, un moment atroce. Pour capable arriver à la réflexion, pour capable reconnaître ce erreur, pour capable comprendre le présent et le passé, pour faire la différence entre ce qui est là dans la maison du papa et en dehors de la maison. Ce jeune homme est trop sûr de lui-même. Il est jeune, il est sans expérience. Il est vide dans l'illusion, il est vide dans la rêve. Il passe à réfléchir, il dit sans réflexion. Et tu crois dans son ensemble. Et tu crois qu'il y a en dehors, c'est plus bon, plus chouette dans la maison de son vieux papa. Ça, c'était le jeune homme. Souvent, on parle du jeune homme, du fils prodigue, qui fait erreur, qui quitte la case au papa. Comme au fils aîné, le plus grand garçon, malgré qu'il soit dans la case de son papa, malgré qu'il partienne pas à beaucoup moins son frère, lui aussi, il partit par le privilège, par le droit, par le pouvoir qu'il tient à la maison. Il partit lui. Il dit une certaine liberté, un certain privilège dans la maison quand tu peux rester. Lui aussi, s'il n'avait rien de trouvé. Parce qu'il dit le prix, ça va droit là. Parce qu'il n'est pas titonné. Qui doit y en a, qui est capable de faire dans la maison. Quand nous regardons bien frères et sœurs dans cette famille, tous les deux frères, pas de courant de notre position comme enfant de notre papa. Nous pas de courant de notre position comme gens de la maison, comme ce type d'habité, et cela n'est grave. Le côté qui prie, enfin, tous les deux bravo, même tous les deux graves, c'est qui prie grave, c'est qui tire dans la casa même.
sans qu'ils y jouissent privilèges, bénéfices, avantages qu'ils y donnent. Quand même, ce passage, frères et sœurs, nous montre comme une leçon spirituelle qui nous caractérise dans cette parabole du fils prodigue et aussi bien de son frère béni. Première leçon, pas croire qu'il n'est pas bien dans nos lacages. Pas croire qu'il n'est pas bien dans nos foyers. Pas croire qu'il n'est pas bien dans nos familles. Pas croire qu'il n'est pas bien dans la maison de Dieu. Que le bon Dieu vive avec nous. Pas croire qu'il y a en dehors de la case, en dehors de nos foyers, en dehors de nos familles, en dehors de l'assemblée de Dieu. Peut-être qu'il paraît plus libre, qu'il paraît plus aisé, qu'il paraît plus bon. Mais il est temporaire, il prend des temps. Et puis, frères et sœurs, ne pourra pas regretter comme le fils prodigue. Deuxième point, pas croire qu'il m'a l'étranger, pas des autres familles, pas ce qui pas frère, pas des autres, l'assemblée, capable de nous les mêmes atmosphères familiales qui naissent dans la maison, dans le foyer, dans la famille et aussi bien dans l'ensemble. Pas croire qu'il n'a même l'atmosphère ou bien l'atmosphère plus bon en dehors qu'il dans la maison. C'est ça que nous trouvons dans ce passage. Troisièmement, pas croire qu'il y a une restriction, qu'il y a une discipline, qu'il y a une stricte, qu'il y a une loi, qu'il y a une interdit. Dans la maison, dans le foyer, dans la famille, dans l'église, tandis qu'il y a hier une liberté. Hier, papa n'est pas capable de moi l'autre. Bien madame, bien monsieur, ou bien, nous gagnons toute facilité, liberté, nous gagnons tout dans ce monde-là, le plateau. Tout est permis en dehors. Mais tandis que dans la maison, dans ma destruction, dans l'assemblée, dans ma destruction, pas qu'à faire ça, pas pour faire ça. Il y a des fois, frères et sœurs, malheureusement, il y en a qui croient que destruction pas bon, discipline pas bon, c'est pas bon, etc. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13, entrez par la porte étroite. Quand l'ose est la porte spacieuse du chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent dans ce chemin-là, par là. Mais toi qui es la porte. Et toi, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui trouvent ce chemin. Quatrième point. Pas croire qu'il dans nos lacages, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos assemblées, il n'y en a rien. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de vol, monotonie, il n'y a pas de routine. Mais cela a de certaines mêmes choses. Mais tandis qu'il y a en dehors de nos lacages, en dehors de nos foyers, en dehors de nos familles, en dehors de l'assemblée, il y a tout, il y a camarades, il y a étrangers, il y a le monde, il y a inconverti, il y a blessé de ce monde, il y a pas de pratique devant les autres assemblées. Frères et sœurs, pour moi, cette parabole n'a pas dit beaucoup de choses. Il n'a pas dit
Mais chaque fois, nous faisons la différence, la comparaison entre ce qui est en dedans et ce qui est en dehors. Il ne faut pas penser en dehors du bon qui est en dedans. Pas être comme le fils prodigue qui dit allez, du toit paternel, voile ailleurs, voile aigrir, vacamonder, lit, plaisir, et pense leurs ans. Pas aussi bien parler que moi, le fils aîné qui est dans la case, mais seulement il passe contre son droit. Il passe contre son privilège, il passe contre sa fête, il passe contre son camarade, tué avec chevaux. Il passe contre son pouvoir qui tient dans la maison. Il passe résuelli, il passe égayé. Et tu prives lui de certains privilèges, certaines grâces, certaines bénédictions. C'est bon, c'est mieux, c'est bien la vie. Dans la case, dans le foyer, dans la famille, dans l'ensemble. Mais n'a plus le meilleur. Pénaplique bon, pénaplique magnifique, pénaplique tranquille, pénaplique calme, pénaplique bien, pénaplique beau, pénaplique mal à l'aise, plutôt à l'aise, pénaplique à l'aise, pénaplique agréable, plus libre, plus vrai, dans nos cases, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos nations. Psaume 84, le verset 10, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille jours ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sur les plantes de la méchanceté. Psaume 92, verset 13, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel et de verroyer. Psaume 122, verset 1er, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Psaume 25, verset 4, le psalmiste David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son nom. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais pour ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Amen. Comptons pour la table, comptons au foyer, comptons aux familles, comptons pour l'assemblée, qui est capable de bien adapter chez vous. Dans la case, dans le foyer, dans la famille, dans l'assemblée. Et Pénal n'en est encore plus à l'aise en dehors. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur écoute pour comprendre ses paroles, que le Seigneur est capable d'amener nos frères et sœurs pour comprendre ce qui est bon Dieu fait de nous, ce qui est bon Dieu fait capable, voilà, hein, permettre de nous posséder. Bon Dieu, frères et sœurs, les bons, nous connaît, voilà, qui nous les aime, il connaît qui nous peut chercher, et avec le Seigneur qui a le bonheur, qui n'a la grâce, et c'est pour cette raison, reste dans la case, reste dans nos familles, reste dans nos foyers, reste dans l'assemblée, afin que nos cœurs profitent
les séquinats dans la maison, dans le foyer, dans la famille et aussi bien dans la présence de Dieu dans la maison. Amen. Gardons ces paroles, prions le Seigneur, louons le Seigneur et qu'il nous capable de connaître qui est là dans la maison de Dieu. Bénissons le Seigneur. Papa qui est dans les cieux, combien ce soir.